Le plan de relance, c'est une politique du gouvernement qui a été mise en place pour aider à la relance de l'économie dans différents domaines. Et en ce qui concerne le chantier de Dole de Bretagne, dans le domaine de la restauration des monuments historiques, c'est un coup de pouce supplémentaire aux différents chantiers de restauration des monuments historiques qui sont menés par les collectivités et par l'État, et qui permet d'aller un peu plus vite sur certains chantiers ou de faire démarrer des chantiers qui n'auraient pas démarré tout de suite ou qui auraient attendu quelques mois ou quelques années supplémentaires avant de pouvoir débuter. Alors ça aide à la fois les propriétaires mais aussi les entreprises qui interviennent sur ces chantiers-là. Ça permet aussi de maintenir des savoir-faire pour lesquels il est parfois difficile de trouver de la main-d'œuvre formée, qualifiée. On était sur l'ardoise donc de Sizun, une ardoise aujourd'hui qui est plus extraite, hein, qui était issue des carrières de Bretagne. Il n'y a plus qu'une carrière en France, donc c'est quand même dramatique. Donc l'idée de pouvoir réutiliser des matériaux qui sont encore en bon état, donc qui sont déposés, triés, retaillés, recalibrés, et donc sont reposés sur un versant, hein, on a récupéré 50% des matériaux. Pas non plus sur des épaisseurs. Mais on n'est pas sur des grosses mousses. La commune de Dole, la ville de Dole, compte un peu plus de 5000 habitants, et leur église paroissiale est en fait un édifice totalement démesuré par rapport à la taille de la commune et par rapport à ses capacités financières. Et le fait de promouvoir cette opération au titre du plan de relance a permis à la commune de démarrer deux tranches d'un seul coup et d'avoir les capacités financières à assumer ce double chantier et de gagner quasiment un an sur la durée globale du chantier, ce qui lui permet de faire une économie substantielle, notamment en matière de location d'échafaudage. Voilà, soit il y a un démontage, remontage ou alors injection par coulis de chaux. Parce que c'est vide quoi, la maçonnerie est complètement vide à l'intérieur. Ouais, là, ça bouge à tchapu quoi. On n'est pas là pour modifier l'édifice ou la pierre quoi. On fait vraiment à l'identique quoi. Conserver un maximum quoi. Que les générations à venir en profitent aussi quoi. On essaye de refaire au maximum à l'identique, mais on essaye aussi d'améliorer les choses si on peut les améliorer. Que ce soit pour moi ou que ce soit pour les salariés, je pense que c'est un... On est content, on a une satisfaction. Je pense que quand on a terminé nos ouvrages, on se recule, on dit ben, on a fait du beau travail. Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas de valeur parce qu'aujourd'hui, on est dans le vite, on est dans l'immédiat, alors que nous, on est dans la durée. Et on se projette dans la durée, mais on est aussi dans la satisfaction de ce qu'on fait. Vous appelez ça des noulets ? On est devant un édifice qui a plus de 700 ans quand même. Et finalement, il nous parvient dans un état qui est quand même très remarquable. Donc ça veut dire qu'il a quand même été particulièrement bien conçu. Donc on essaye au maximum d'utiliser les méthodes traditionnelles. Et après, parfois, on utilise des matériaux très modernes ou des techniques très modernes. Hein. On n'est pas du tout, enfin, on n'est pas fermé aux nouveaux apports technologiques, mais il faut qu'il y ait un intérêt pour l'édifice. Finalement, l'un des objectifs de nos métiers, c'est que finalement, que quand on a terminé un chantier, presque ça ne se voit pas, qu'on ait l'impression que ça ait toujours été là. Et laisser tout ça aux générations futures pour que ça dure le plus longtemps possible.